Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Miska. Donc voilà, tu peux parler parce qu'en fait oui. Si sur sa chaîne on mettra les mêmes vidéos, ouais, enfin, les vous allez comprendre. Sur la même, de... Donc on se met les liens de notre chaîne dans la description, voilà. On... Et donc c'est un swap. Ah ouais, c'est un swap justement. Notre swap. C'est un énorme swap, hein. C'est 21 cadeaux. Donc il y a beaucoup de cadeaux. Hein. Ouais, il y en a quand même pas mal. Et voilà. Et on n'a pas fait de budget d'ailleurs. Non, on a fait... Et puis je pense que si on aurait fait un budget, on n'aurait pas respecté parce que vu que tout ce que je t'ai acheté. Ouais, voilà. Donc elle a acheté des trucs pour la Fimo. Ouais. Et moi j'ai acheté des trucs un peu pour la papeterie et aussi pour la Fimo. Voilà. Voilà. Mais donc... là, des fois, ce qui est en Fimo, j'utilise en papeterie. Donc voilà, du coup, on va vous montrer tout ça. Donc tout c'est ça pas qu'on va, on va s'échanger. Changer nos swaps. Voilà. On tient en bas, en haut. Donc. Voilà. Voilà. C'est trop. C'est super lourd. Donc je te laisse commencer. Enfin, bah voilà. Alors, bah on ouvre au pire, tu ouvres et moi j'ouvre. Enfin, bah vas-y déjà, commence. Ok, bah alors. Je vous montre comment ça se présente, c'est un petit peu. Oula, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça tombe, il y a des voilà. Petites plumes. C'est trop beau, je trouve. Alors, bah vas-y, ouvre-toi. Et puis on okay, fait. On commence par les deux. Faut pas que ça tombe, voilà. Donc là il y a des choses et le menu, il faut qu'elle le décolle. Et le menu, voilà, que je vous lirai le menu, mais elle a mis un petit mot, voilà. Moi aussi j'ai mis un petit mot, mais on va on peut-être va pas lire en vidéo parce que c'est un petit peu personnel, on va dire. Voilà, désolé, vas-y, commence le premier signe. Alors, donc le menu, un animal collant. Donc bah, je vais prendre le 1. Donc voilà, j'ai trouvé le numéro 1, donc je vais l'ouvrir. Ça se voit un petit peu différent. Voilà, ouais. J'ai rien. Donc, c'est un masking tape. Il est trop beau. Là. Avec des petits cochons. Il est magnifique, je trouve trop beau. Merci, enfin, c'est sûr que je vais l'utiliser. Donc, maintenant, c'est à mon tour. Et le cadeau numéro 1, c'est tu en as. Donc, c'est ça. Donc, il y a des trucs emballés dans du papier et d'autres pas emballés dans du papier parce que j'avais pas de papier. Alors, c'est un washi tape, mais c'est quoi? C'est trop beau. C'est trop glace en fait, ça brille. Je vous montre là. Ouais. En fait, il est un peu brillant, ça fait des reflets, mais il est magnifique. Donc, voilà. Le 2, c'est long et trop petit. Donc, c'est ça. Alors, hier, j'ai essayé de deviner parce qu'on se l'est dit un peu le thème. C'est pas dit les cadeaux. Vas-y, j'ai pas mon j'ouvre. Oh, trop beau. En fait, c'est deux fils. Comme ça. Il y a un turquoise et un noir. Donc, le 2, c'est tu en voulais un. Donc, c'est là, là-dedans. C'est super bien emballé. Comment ouais. C'est emballé, ça m'a hein. Voilà. Et c'est un Posca noir. Merci, j'en voulais trop. Hein. Parce que j'ai pas du tout de Posca. Donc, merci. Donc, le 3. Pour mettre tes clés. Donc je pense que ça peut être un porte-clés. Hein. Ah non, merde, c'est le 13. Donc j'ai trouvé le 3. Donc je relis. Pour mettre tes clés. Donc, voilà, le 3. Oh, je sais plus trop ce que c'est. Je ne sais même pas. Oh, trop bien. Oh, donc c'est un petit sachet avec un porte-clés, des clous, enfin, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc le 3 c'est il est rose, donc il se présente dans du papier comme ça. Oh, parce que des fois il y en a qui j'avais pas du papier cadeau, donc du coup c'est pour ça que j'ai dû l'envoyer dans des feuilles blanches. Mais après j'ai eu des papiers cadeaux. Moi c'est du papier crépon, c'est pas non plus. Mais pourquoi t'inquiète, après j'ai eu du papier cadeau. Oh c'est trop mignon. C'est un petit hibou comme ça, donc je vous montre les deux sur le téléphone et l'iPad. Donc là, juste, en fait là il y a leur prénom, juste ici. Ah oh, c'est trop mignon. Donc, il s'appelle Pinky. Voilà, donc c'est trop mignon, un petit porte-clés. Donc le 4, un compagnon pour Sultan. Donc Sultan, c'est mon chien, juste. Vas-y, voilà. Il est tout petit. Ouais. Donc il est tout petit, donc ça, je sais pas du tout ce que c'est. Non, pas ton chien, mais. Oui, non, mais ça, c'est tout petit. Ouais, je sais pas. C'est quoi? Pardon, désolé. C'est. Ah oui. Voilà. Donc c'est emballé dans du papier bulle. C'est un papier bulle. C'est fragile, on va dire un petit peu. Ouais, voilà. Donc je vais juste. Oh, trop beau. J'adore. En fait, c'est une petite tasse avec un petit chien. Donc, le 4, c'est tu en as. Donc, il est comme ça, voilà. Je vais l'ouvrir, quoi. Ah oui, si, il y a ce fil dessus.
Ah oui, je suis bon, là je pense que excusez-moi, ça a coupé. Donc voilà le washi tape qui est magnifique. Donc je vous montre là. Peut-être que je vous ferai un close-up. Ouais. Donc le 5, donc c'est ça, je me suis pas trompée. Hein. Il y a des petits points partout. Donc j'adore les points. Non, je les prends. Bon, voilà, mais après je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air des. Je sais pas, je sais pas du tout. Il est trop beau. C'est un. C'est le dernier du magasin. Ah, trop cool, merci. En fait, c'est un masking tape. Je vais essayer de vous montrer ça là pour montrer. Je passe une étiquette. Donc, en fait, c'est un masking tape à rouge, mais à pois. Il est trop beau. Donc, le 5, c'est des échantillons. Donc, c'est tout petit comme ça. Alors là, je vais galérer à l'ouvrir, je pense. Oh, trop bien! Pourquoi j'ai marqué des échantillons? Voilà, c'est du petit ruban. Donc, il y en a 3. Il y en a organza, un blanc, un gris. Donc, voilà, merci. Donc, le 6, je t'adore, ma meilleure amie. Donc, il est comme ça. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Pardon, je ça, c'est un ruban. J'en étais sûre, mais il est trop beau avec des petits cœurs. Bisous. Donc voilà, merci. Donc le 6, c'est je l'ai fait pour toi. Donc il est comme ça. Donc je pense que c'est une création. Hein. Ouais. Voilà, c'est assez lourd, c'est assez dur. Faudra que tu coupes le bout. Désolée, ouais. Oh, c'est trop mignon. Ça, c'est ma soeur qui m'en a passé. C'est trop mignon. Bah, merci à ta soeur. Donc c'est une petite création comme ça. Bon, j'ai un petit peu. J'ai fait les trucs. Mais voilà, sur un petit porte-clés avec. Un petit nœud, voilà, etc. Donc, merci. Donc, le 7, voilà, faut que je passe. Le 7, c'est tout emmêlé. Donc, il est comme ça, le 7. Merci. C'est un jeu de mots. Hein. Ouais, ouais. J'ai compris, madame, jeu de mots. En fait, ce sont des petits nœuds, donc deux bleus à pois, un rouge et un violet à pois. Donc, t'as de la chance parce que j'en ai acheté et c'est pas les mêmes. Ah non mais on t'a trop de la chance. Donc le 7 c'est à la petite épicerie. Donc c'est celui-là. Je c'est son ce magasin que... préféré. Ah oui. Et j'ai montré. Et j'ai fait exprès d'y aller. Trop beau. Oh putain. Pardon. Donc il y avait pareil. Enfin il y avait aussi une cernite bleue mais bleue elle était très moche. J'ai jamais eu de cernite de ma vie. Ce n'est pas une blague. Mais du coup je te prendrai. Et du coup je t'ai pris autre chose parce que la bleue elle était extrêmement moche. Ah, le bleu c'était genre un bleu foncé très moche. Donc, sinon je te le 8. C'est encore long. Donc, 3 petits points. Alors, ça, je vous avoue que je sais pas ce que c'est. Non, mais c'est vrai, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est encore des fils. Donc, les fils comme ça. Donc, en fait, il y en a un bleu, un rose et un violet. Donc, pour faire des créations, c'est trop beau. Donc, le 8, c'est tu en as je ne sais pas combien. Donc, je crois savoir ce que c'est. Mon pote, tu pourras garder le masking tape et les sachets. Ah, c'est trop beau. En fait, ce sont 3 cannes. Donc là, je vais vous faire la macro, un close-up pour voilà vous. Les cannes. Elles sont super jolies. Donc, le combien là ? Ouais, le 9. Encore des points. Donc, encore des points. Le 20, il est où ? Là. Donc, le 20, il est là. Le 9. Moi, le 20. Bon, le 9, il est là. Alors. Il est trop beau. Il est magnifique. C'est un washi tape à pois. Il est trop beau. T'adores les pois, donc j'ai pensé à toi. Merci. Donc, pour moi, donc le 9, c'est comme le 2. Donc, c'est comme ça. Et je pense que c'est un Posca, hein, de toute façon, parce que le 2, c'était un Posca. Donc, voilà. Qui c'est ? Non, je regarde. C'est... Attends. Un Posca. Un Posca, c'est quelle du couleur Posca. Je sais pas quelle couleur. Justement, je galère à l'ouvrir. Ah, trop beau. Violet. Violet. Elle en voulait un blanc, mais il n'y en avait plus des blancs. Du coup, j'ai pas su. Voilà. Il est tout neuf, hein. Tu peux voir qu'il est tout neuf parce qu'il est encore emballé dans du. Donc, pour le 10, c'est trop long. Donc, c'est ça le 10. Donc, il est énorme. Bon, je pense que c'est des fils, mais non. Enfin, je pense que non. D'accord. Elle a tiré. J'ai tiré. Ouh, là, oh, trop beau. Il y en a qui est tombé. Oh, ils sont trop beaux. Donc il y a un comme ça et un long oui, tout rose et tout rose. Donc le 10 c'est porcelaine 4 articles fragile entre parenthèses. Voilà, on avait un peu ma bouche. Je pense que ça va faire le plus plaisir. Donc c'est fragile hein, je pense. Bah, c'est de la porcelaine, tu l'as mis.
Ah bah oui. C'est de la vaisselle en porcelaine, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, donc le 10, c'est de la vaisselle en porcelaine, comme ça. Donc il y a une théière, une petite assiette carrée et un petit bol. Donc merci beaucoup, j'adore. Donc le 11, ça rappelle la Corée. La forêt. La forêt. Eh bah, excuse-moi, on dirait un... Oui, bah désolé. Hein. Mais ça rappelle la forêt, oui, j'ai eu peur. Bah, un ruban avec... avec quoi? Hop, je l'ai pas spoil, hein, je vous dis, j'ai pas dit ce que c'était. Avec des petits cerfs ou des petites fleurs. Des petits rennes, non, c'est des rennes. Ou des rennes, oui. Oui, c'est la forêt. Quoi. Ils sont trop beaux, merci. Ensuite, donc le 11 pour moi, c'est pour aller avec le 12 et le 13. Donc c'est ça, ça ressemble un peu à un cornet de glace. Ouais. Et je pense que c'est une douille à chantilly. D'ailleurs, je crois que je vais... Ah bah non, ça, je vais pas couper. Par contre, je galère totalement. Hein. J'ai mis du scotch. Alors, mais du scotch partout. Waouh. Qui est une petite douille. Et franchement, l'embout, il est trop bien. Justement, c'est ce que je voulais. Ah bah, je savais pas lequel voilà. Prendre en bout de prendre. Et donc, du coup, j'ai pris lui parce que je crois que c'était le plus basique. Enfin, c'est celui-là. Voilà. Ouais, il est bien. Le 12, il y a plein de couleurs. Donc, c'est du papier comme ça. Enfin, c'est du papier canson de couleurs. Voilà. Donc, le 12, c'est blanc, entre parenthèses, 30 grammes. Donc, voilà, il se présente comme ça. Et je sais un petit peu ce que c'est. Donc, je sais... Vous allez voir. Oh, j'ai les cheveux dans la bouche. J'ai mis beaucoup de scotch. Je galère. Elle met trop de scotch. Elle est folle. Mais c'est, moi, j'avais peur cette chantilly. Voilà, du coup, je l'ai ouvert et c'est une fausse chantilly comme ça, donc de 30 grammes. Je sais pas si vous allez voir. Il n'y avait pas plus. J'ai essayé de vous le prendre plus, mais il n'y avait pas plus. Donc voilà, merci beaucoup. Donc le 13, pour emballer des cadeaux. Donc, le 13, c'est celui-là. Cadeau truc. Si. Putain. Alors, il y a une petite fleur comme ça que je trouve trop beau. Et un sachet organza rouge. Trop beau. Donc, le numéro 13, c'est rose entre parenthèses 30 grammes. Toujours, et c'est de la poche chantilly rose, de toute façon, je le sais. Pardon. Et voilà. C'est galère, elle met des tonnes de poche. Hein, oh, c'est trop beau. Je vais pas l'abîmer, j'aimerais pas. L'abîmer. Et elle est magnifique. Ouais. J'avais jamais eu de rose. Et voilà, toujours en 30 grammes et elle est trop trop belle. Donc la couleur est super jolie. Je la montre aussi. Alors, le 14, c'est encore emmêlé. Donc le 14, il est comme ça. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Bah, un nœud. C'est un jeu de mots toujours. Hein. Ouais, voilà. Mais c'est un gros nœud. Trop beau, j'adore. Merci. Donc le 14, c'est à la petite épicerie, donc toujours, c'est, je pense, que la Cermite. Voilà. Oh, je vois une couleur magnifique. Oh my god. C'est trop beau. Oh, oui. C'est moi. Oh là là. C'est de la Cermite violette avec des paillettes. J'adore la Cermite. Voilà, j'adore la Cermite. Bah, il n'y avait pas de violette tout ça, donc du coup, j'ai pris. Alors le 15, tu adores les cœurs comme l'amitié ou l'amour. C'est... Oh, t'es folle. Oh, t'es complètement folle, c'est trop beau. Je pensais gros bisous. Mon bisou. Non, vidéo là. Pour faire des paperclips, c'est trop bien. Tu peux t'assurer que je ferai deux paperclips avec ça. Donc le 15, c'est gros. Donc c'est comme ça, voilà. Alors c'est ensemble. Tu pourras récupérer le masking tape et le sachet. Ouais, alors. En donc, fait, là, je savais que tu les avais pas les deux. C'est là. Des grosses cannes, donc là, je sais pas si vous allez voir. Ici aussi. Ah oui, mince, pardon. Bon, bah, c'est des cannes, en fait, il y a une pomme et une pastèque ici. Le 16, un animal de la jungle. Donc, c'est comme ça. Donc, déjà, je sais que c'est un cahier, mais après, quel animal c'est, je sais pas. Je sais pas trop parce que tu m'avais dit que. Je t'avais mis un cadeau. Elle est folle! Il est trop beau. C'est un carnet avec un petit lion. Oui, mais quoi. Même, je m'en fous. Si j'ai bien vu, c'est un lion. Bisous. Non, rien. Donc, le 16, c'est tout petit. Donc, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Ah, si. C'est des microbilles, je crois. Je sais pas si ça va te plaire. Parce que ça. Ah, mais je peux pas ouvrir. C'est des perles. Bon, je pensais que c'était des microbilles, mais en fait, c'est des perles. Donc, il y en a des roses et des vertes. Donc, le 17, c'est tout petit.
Et c'est marqué tes créations auront mal. Donc, j'ai pas de droit de comme ça. Oh, elle est folle. Ah, ah. Oh, merci. Ce sont des pitons. Comme ça. Merci, merci. Le 17, c'est Sabri. Donc, il est comme ça. Il est tout petit. Je sais pas si c'est. Je pense pas que c'est. Je sais pas. En fait, elle emballe dans. C'est super long, elle déballe. C'est une pince. Oui. Désolée, je galère. Bon, c'est une petite pince comme ça, brillante. Arrête. On voit pas beaucoup, mais. Mais là voilà. Aussi, on voit pas. C'est... Ah, mais c'est une pince. Alors, le 18, une couleur que tu adores. Donc, j'adore le orange. Oui. Je suis très retard parce que je sais ce que c'est. Je remets toujours mon couleur. C'est ça. Donc, en fait, c'était un petit pot. Orange, merci. Parce que en fait, j'en avais offert un, du coup, bah. Le 18, c'est tu en as, encore une fois, donc c'est un washi tape, hein, je pense. Bah, logiquement, oui, si. D'accord. Alors, oh là là, je vois une magnifique. Oh là là, non, mais t'es folle. Mais je les ai achetés à Emma. C'est un washi tape, bon, vous allez peut-être pas bien voir, mais je le montre sur les deux. C'est magnifique. Voilà, donc je sais pas trop ce qu'il y a écrit, mais. Ça alors, le 19, pour ranger. Tes petits bijoux donc, et je t'ai mis un truc à l'intérieur. Voilà, ça se sent en fait. Enfin, ça se sent. Quand on pousse le cou. Oh, trop beau. Donc en fait, c'est un petit coffre et à l'intérieur. Petit coffre. Oh. Donc à l'intérieur, il y a des petites créations. Je sais plus trop ce que c'est. Donc un. Moi, ça s'appelle un. Ouais. Un sucre d'orge. Un ouais, sucre d'orge. J'ai mis quelques trucs. Bah, tu montes la boîte. Ouais, un sucre d'orge, voilà, des petits trucs blancs. C'est et... comme un petit coffre au trésor qu'on peut customiser. En... Ouais, bah c'est ce que voilà. Je fais. Alors, pour le 19, donc si tu me l'as demandé, donc je sais ce... Enfin, je pense que. Je pense que je sais ce que c'est. Je pense que c'est une lame pour couper. Ouais, je l'ai acheté exprès. La Fimo. Parce que du coup, moi j'ai testé la mienne et j'aimais bien, donc du coup, je me suis dit, je vais pas te la donner, je vais t'en acheter. Les cannes. Non, ouais. Oui, cool. Enfin, c'est pas une canne, mais c'est bon. En fait, c'est une lame, donc c'est là-dedans. Je vais pas l'ouvrir, ça coupe un peu. Enfin, même beaucoup. Donc voilà, c'est une lame pour couper les cannes, et c'est super pratique. Le 20, donc c'est marqué Sabri. Donc je pense que ce sont des sucres, vu que ça se voit un peu à travers. Mais... Oh, trop beau. C'est des petits sequins, comme ça. Des strass. Des, ouais, des strass. Ça nous sauve super. Pour moi, le 20, c'est. Tu en as, donc c'est toujours tu en as, c'est un washi tape je pense. Voilà. C'est pour moi le 21 et elle pour elle, ça c'est le bonus, mais moi c'est le 21. Enfin, le cadeau. Ouais. Oh non non mais c'est trop beau. Donc c'est un washi tape comme ça. Ça à l'envers, je sais pas trop. Voilà. Amazing. Voilà. Donc il est super beau, il est bleu, une couleur magnifique. Alors après le bonus, pour mettre des trucs dedans. Alors en fait, je touche mais je sais pas ce que ça peut être. Ce sont des petits sachets comme ça, donc je l'avais demandé, merci. Et donc le 21, c'est je l'ai réalisé moi-même, donc je suppose que c'est une création. C'est pas vraiment trop grand film, je sais pas si ça va te plaire. Si ça le fait pas, tu me dis, je t'en fais un autre. J'adore. En fait, je pense que c'est un nœud que t'as voulu faire. Ouais, mais en fait, c'est un petit effet. C'est marrant. C'est un paperclip, comme tu dis là. Ouais. Un truc, un trombone en fait. Et fait un peu nœud quoi. Il y a plus de stockage. Voilà. Donc voilà, on a rajouté aussi quelques bonus qu'on a mis au-dessus de notre swap. Voilà, donc dans la boîte. Donc on va vous montrer ça. C'est un petit peu un cadeau quoi. Voilà. Donc voilà. Bah dans ce sachet là il y avait donc il y a 4 griffes, un support de bague et un mousqueton. Ouais, on dit ça comme ça je crois. Et moi elle m'a rajouté plein de choses. Je suis trop contente, merci. Je suis un peu honte de ce que je t'ai mis. En fait c'est un washi tape avec des plumes, mais c'est magnifique. Donc en fait les 3 derniers washi tape qu'il y avait, là, c'était en fait c'était un lot. Voilà. Donc je mettrai peut-être le lien de sa vidéo dans la description. Enfin. De ma vidéo là. Voilà. Et ici on a plein de feuilles. Mais c'est magnifique. Donc des feuilles à motifs. Avec des motifs trop beaux. Voilà. Donc je te remercie
pour ce cadeau, pour ce soir. Donc voilà. Donc voilà. Alors je te remercie pour ce soir. Moi aussi, je te remercie parce que c'est vraiment. Bah, voilà, bien. Cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et on vous fait de gros bisous. Et on vous met une petite séquence de tout ce qu'on a eu. Tout ce qu'on a eu, un peu, une photo, un petit passage. Voilà. Donc voilà, à bientôt.